Allen in santità e la vita di Jesus. On arrive au précurseur qui est la protoporphyrine, la protoporphyrine dans la vie de moyen, et par la suite on a encore refait pour faire la molécule de l'air. La synthèse de l'air utilise la vitamine B12 comme coenzyme. Là, c'est la vitamine B6. Et sous l'action de l'alanine synthétase. Le succinyl coenzyme A intervient dans la composition de l'air. Là, c'est la succinyl, c'est la glycine. C'est la glycine, pardon. Donc, glycine, acide succinique, vitamine B6 comme coenzyme, et l'enzyme, c'est l'alanine synthétase. Chaque noyau pyrrole, avant on a dit noyau pyrrole, avant on a dit noyau pyrrole, chaque noyau pyrrole contient un atome de fer. Non, c'est quatre au centre, c'est l'ensemble qui tape le noyau. Son taux est inférieur.
c'est 60 à 80% de gènes et de ton corps actif. Le taux d'hémoglobine est supérieur à 7 grammes. Tout à fait.
les masses globulaires. Les masses globulaires, là, pour faire la définition de la polyglobulie, il faut mesurer la masse globulaire. On demande la masse globulaire. C'est quoi la masse globulaire? C'est-à-dire mesurer le volume global des échantillons. Hein? Pas le déchirer. Pas le volume globulaire moyen. Non, non. Là, on va mesurer la masse, la quantité, du total, le stock de globules rouges. Quelle est la normale? À partir de quel taux, déjà, je commence par le taux pour parler d'une polyglobulie. Une polyglobulie est définie par un taux supérieur à 32 ml par kilogramme, chez la femme, et supérieur à 36 par millilitre, chez l'homme. Les valeurs normales, 30, là, c'est 25, plus ou moins 5, chez la femme. C'est pour cela qu'à partir de 32, c'est une polyglobulie chez la femme. Et chez l'homme, c'est 30, plus ou moins 5. Millilitres par kilogramme ou pas? Hein? La valeur normale chez la femme, c'est 25, plus ou moins 5, c'est-à-dire de 20 à 30. Et au-delà de 32, supérieur à 32, c'est une polyglobulie chez la femme. Chez l'homme, c'est 30, plus ou moins 5. Et au-delà de 36, c'est une polyglobulie chez la femme. Chez l'homme, pardon, ça. Chez l'homme, c'est 30 plus ou moins 5. Au-delà de 36, c'est une polyglobulie chez l'homme. Comme j'ai dit 25 plus ou moins 5, supérieur à 32 millilitres par kilogramme de poids, c'est une polyglobulie chez la femme. Voilà pour la masse. Plus nous connaissons les caractéristiques de l'hémorragie. Chez le nouveau-né, il y a deux choses qu'il faut retenir. Il y a une tendance à la polyglobulie. Allez, il y a une tendance à la polyglobulie parce qu'il y a de l'hémoglobine F. L'hémoglobine F, elle est hyper affine. Il y a une forte activité électrophorique dans le nombre de polyglobulines augmentées, l'hématocrite est augmenté et le taux d'hémoglobine. Il y a une tendance physiologique à la polyglobulie. Hein? L'hémoglobine F, il y a l'activité électrophorique. Il y a une forte activité. On a besoin de sang. La deuxième caractéristique du nouveau-né, c'est qu'il a une hyperleucocytose physiologique. Les 20 000, 25 000 globules blancs, c'est de manière physiologique. Et c'est une polynucléose neutrophile, 80% de polynucléose neutrophile. Il ne s'agit pas d'infection. 20 000, donc il y a une hyperleucocytose physiologique avec des neutrophiles de l'ordre de 80%. Là, ce sont les caractéristiques de l'hyperleucocytose. Les plaquettes, c'est un chiffre normal. Plaquettes, c'est un chiffre normal. Un jour, il y a une hyperleucocytose physiologique. Oui, avec une